Le groupe UBA, United Bank for Africa, affiche de bonnes performances. Au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2019, le produit d'exploitation bancaire du groupe est ressorti à 206 milliards de naira, soit environ 735,8 millions de dollars. Une performance imputable à la hausse, non seulement des revenus de commissions et frais, mais également des intérêts. La résilience de notre modèle économique et notre croissance ciblée des actifs productifs ont généré une croissance de 10,8% de revenus d'intérêt. Outre le rendement louable sur les actifs productifs d'intérêt, nous avons également enregistré une croissance de 22,1% des revenus autres que d'intérêt. UBA reste attaché à sa vision de devenir la principale institution de services financiers incontestée en Afrique. Les bons du Trésor émis par les États ont aussi bien performé durant cette période, atteignant des revenus de 89,7 milliards de naira, soit 248,13 millions de dollars, en hausse de 28,7% comparé à ceux de l'année 2018. Le fait d'avoir investi sur les bons du Trésor, qui sont rentables sur le court terme, peuvent justifier cette augmentation de son bénéfice net, mais aussi l'entreprise, en raison d'un changement de notification comptable, a aussi pu réduire la part de ressources réservées aux provisions sur les créances non performantes. De l'avis de certains analystes, la trajectoire de croissance de UBA souligne le gain de part de marché qui gagne de plus en plus de clients grâce à sa culture de service à la clientèle revitalisée associée à des offres innovantes de banques numériques.